Les enfants qui sont bien et très bien. On fait souvent le procès à cette jeunesse-là d'être moins belle que la nôtre, d'être moins bonne que la nôtre. Je peux vous assurer que vos enfants sont très bien. Ils sont bien individuellement, ils sont bien collectivement. J'ai des enfants de cet âge-là. On ne se rend pas toujours compte de la force et des qualités de nos enfants parce qu'on vit avec et parce qu'on n'a pas forcément le bon regard. Nous, on a un regard particulier et je peux vous assurer que vous avez des enfants qui sont excellents. S'engager à cet âge-là, c'est fabuleux et c'est bien ce qu'ils font. Et ils le font bien. Ils ont été à l'écoute. Ils ont passé 4 mois parfois difficiles, mais c'est comme ça. On ne fait pas ce métier-là si on n'accepte pas la difficulté qu'exige la formation. Quand je dis « je », c'est « je » et mes compagnies. On est parfois obligé de les former durement parce qu'on sait que la vie, l'intensité de l'engagement qui sera le leur d'ici la semaine prochaine sera terrible. Pour vous donner un ordre d'idée, la semaine dernière, il y a encore 15 jours, sur la plate parisienne, on a fait 1700 départs par jour. 1700 départs par jour, c'est énorme. Et là, en cette période, qu'on considère comme une période de pause parce qu'on est sur les vacances de la Toussaint, et on tourne encore à 1300, 1400 interventions par jour. Donc, vos enfants vont être engagés dans des combats de haute intensité. C'est aussi pour ça qu'on les prépare durement ici. Le pape, commandant la compagnie de formation numéro 1, va accueillir et rendre les honneurs au fanion du groupement formation, instruction et de secours. Ce fanion représente l'unité de commandement, la discipline et l'esprit de corps des sapeurs-pompiers appartenant à ce groupement. Le capitaine Le Pape va accueillir le lieutenant-colonel Enchanté Nkoma, commandant le groupement formation, instruction et de secours, qui passera ensuite les troupes en revue. Thank you.
corps va maintenant procéder à une remise de décoration au nom de la ministre des Armées. Le sergent-chef Farid Couider, 13 ans de service, sert à la 45e compagnie et décoré de 2 médailles de bronze pour acte de courage et de dévouement. Sergent Lavoine, au nom de la ministre des Armées, décernons la médaille d'or de la Défense nationale. Sergent Arnaud Lelon, 12 ans de service, sert à la 31e compagnie et décoré d'une médaille pour acte de courage et de dévouement, échelon bronze. Caporal Mathieu Batten, 16 ans de service, sert à la 31e compagnie. Caporal Jeff Fury, au nom de la ministre des Armées, nous décernons la médaille d'argent de la Défense nationale. Caporal chef Xavier Durif, 8 ans de service, sert à la 44e compagnie. Caporal Alexis Gendronneau, 8 ans de service, sert à la 44e compagnie. Sapeur de première classe Guillaume Jude, 10 ans de service, sert à la 45e compagnie et décoré d'une médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement et de la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Décoré, rejoignez les rangs. Ordre du jour numéro 2. En même temps que vous rentrez dans le service opérationnel, vous recevez aujourd'hui les casques et insignes de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Car dans quelques heures, vous rejoindrez vos unités d'affectation. Cette transition vous donnera l'occasion tant attendue de mettre en application le fruit de près de 4 mois de formation technique et militaire, de préparation physique et comportementale. Comme des milliers d'anciens avant vous, faisant preuve d'une motivation et d'une volonté hors norme, d'un effectif en vue de réussir et d'un engagement permanent, vous avez passé la route initiatique et franchi avec succès cette première étape du parcours de formation du sapeur-pompier militaire. En choisissant de servir l'une des plus prestigieuses unités de sapeurs-pompiers au monde, vous avez accompli votre rêve. En vous mettant au service des autres, vous réalisez ainsi votre idéal. Bravo! N'oubliez pas que l'excellence s'entretient chaque jour. N'omettez pas que l'exigence fait notre force dès lors qu'elle est partagée de tous. Et enfin, gardez à l'esprit que le port de cet uniforme et le poids de nos traditions sont contraints à l'exemplarité en service et hors service. Permettons. Les engagés du contingent de juillet vont maintenant réciter l'éthique du sapeur-pompier de Paris, puis recevoir leur casque et un signe des mains de leurs parrains, des officiers, sous-officiers et des gradés instructeurs présents. Les majors de promotion vont être mis à l'honneur par le chef de corps. Altruisme, efficience, discrétion. Je le veux même vis-à-vis aussi du président de l'Union.
Vous allez maintenant assister au départ successif du commandant de groupement et du fanion de groupement. Assister à la mise en place du défilé. Puis, les sections défileront pour la dernière fois au fort de Mont-Saint-Georges. Thank you.
te sauver ou périr. Je veux te sauver ou périr. Telle est notre devise. Telle est notre devise. Et dans nos yeux. Et dans nos yeux. L'honneur d'être soldat du feu. L'honneur d'être soldat du feu. Pour te sauver, je veux même battre les yeux. Aujourd'hui, il y a un petit moment particulier qui n'a pas lieu d'habitude. Je leur fais également la surprise. Les sapeurs dont je vais citer le nom vont sortir des rangs et venir se présenter devant vous. J'appelle sapeur Alaoui, sapeur Bourion, sapeur Briot, sapeur Buteau Carlin, sapeur Bonny, sapeur Guillon, sapeur Haché, sapeur Avar, sapeur Joubin, sapeur Le Loget, sapeur Lemel, sapeur Lorenz, sapeur Malargé, sapeur Moiroux, sapeur Kéméner, sapeur Rabu, sapeur Sacco, sapeur Taricol. Ils reçoivent tous une lettre de félicitations du général commandant de brigade. Lettre de félicitations du général de division Jean-Marie Gontier, commandant la brigade. Félicite. Pour les motifs suivants, se sont distingués lors des célébrations du 206e anniversaire de la création de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, présidée par Madame Florence Parly. Par leur rigueur et leur disponibilité, ont participé directement au succès de cette journée. Ils me mettent des pièges. Ils méritent tous d'être félicités. Repos. C'est un fait assez rare pour être mis à l'honneur aujourd'hui. Ils se sont vraiment distingués dans ces préparatifs et dans cette conduite de cette date anniversaire qui nous est chère. Je veux remercier les parrains, vous qui avez accepté d'être dans cette aventure. Votre présence est fondamentale et marque bien tout l'intérêt que vous portez à vos filleuls afin de les accompagner dans leur construction d'hommes et de femmes responsables. Je remercie également vous, les familles,
Les amis et les proches de nos jeunes sapeurs-pompiers de Paris pour être venus si nombreux pour les entourer dans ce moment si symbolique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous nous avez manqué. En effet, cette cérémonie marque à tout jamais non seulement la fin d'une formation exigeante, mais surtout l'entrée dans le service opérationnel. Votre présence est un soutien primordial, car sans vous, je suis certain que seuls quelques-uns n'auraient pas terminé cette formation. Soyez fiers de vos enfants, de vos amis, de vos proches, pour le chemin parcouru. C'est la preuve de leur motivation et du sens de leur engagement. Leur aventure ne fait que commencer. Et ils auront encore besoin de votre soutien lorsqu'ils seront emprunts aux doutes et aux difficultés. Nous comptons sur vous. Néanmoins, aujourd'hui, ils sont prêts. Ils sont prêts techniquement, ils sont prêts physiquement, ils sont prêts moralement. Et ils vont encore progresser. Vous, jeunes sapeurs-pompiers de Paris, continuez sur la voie de l'excellence. Soyez curieux de tout, ne lâchez rien. Travailler sans cesse. C'est vous et votre volonté qui seront les seules limites de votre carrière. Une vie palpitante et extraordinaire vous attend. Votre quotidien est maintenant de vivre dans l'exceptionnel de nos concitoyens. Soyez-en dignes tout en restant humbles. Enfin, je tiens tout particulièrement à mettre à l'honneur un groupe en particulier. Ils œuvrent tout au long de l'année, contingent après contingent. Ils transmettent avec passion, dévouement et disponibilité tous les savoirs et compétences pour hisser les recrues au plus haut niveau. Au même titre que leurs camarades en unité opérationnelle, les formateurs du groupement participent par le biais de la formation à la sécurité intérieure de notre pays. À ce titre, j'aimerais que vous leur adressiez des applaudissements nourris. Ils sont là. Ils ne pourraient plus rien faire d'eux après. Bon, félicitations, merci. Ils sont affectés au premier groupement d'incendie. Sapeur Baudon. Présent, mon capitaine. Sapeur Briot. Présent, mon capitaine. Sapeur Bruchet. Présent, mon capitaine. Sapeur Camp. Présent, mon capitaine. Sapeur Lemort. Présent, mon capitaine. Sapeur Letellier. Présent, mon capitaine. Sapeur Lorenz. Présent, mon capitaine. Sapeur Frère. Présent, mon capitaine. Sapeur Gaudy. Présent, mon capitaine. Sapeur Girardeau. Présent, mon capitaine. Sapeur Godec. Présent, mon capitaine. Sapeur Guillon. Présent, mon capitaine. Sapeur Dassu. Présent, mon capitaine. Sapeur Sirou. Présent, mon capitaine. Sapeur Lafont. Présent, mon capitaine. Bravo à tous, vous pouvez les applaudir et puis les rejoindre.